Bonsoir et bienvenue sur votre émission Tandem. Ce soir, Tandem est à l'ambassade de France pour la semaine de la gastronomie française. Comme chaque année, la France et Israël se rapprochent. Et cette année encore, il y a des événements avec des chefs français qui vont venir découvrir notre beau pays, notre gastronomie, notre culture. Et il y aura de nombreux rendez-vous entre chefs français et israéliens, que ce soit à travers des masterclass, à travers des soirées en binôme, des journées en binôme où ils vont cuisiner ensemble. Et donc nous sommes là, Tandem, reçus dans la maison de l'ambassadeur, pour pouvoir justement découvrir et faire découvrir aux auditeurs de Tandem cet événement. Nous aurons une interview avec monsieur l'ambassadeur, son excellence l'ambassadeur. Nous aurons aussi des interviews avec des chefs français et israéliens. Et nous espérons que vous serez heureux de découvrir tout cela avec nous. Je suis avec Joseph Viola, qui est le chef de file des chefs français. Bonsoir Joseph. Bonsoir. Alors première question, c'est votre première fois ici? Ah oui, c'est la première fois que j'arrive donc sur cette magnifique terre. D'accord, mais écoutez, bienvenue chez nous. Merci. Alors du coup, vous, votre cuisine, donc, vous avez un restaurant à quel endroit? Alors moi, j'ai 3 restaurants à Lyon, qui sont tous sur le même nom, c'est-à-dire Daniel et Denise, c'est le nom de l'enseigne. Et j'ai une épicerie comptoir, et une deuxième qui est en train de pousser, comme on dit, qui est en train de naître. Alors mon style de cuisine, c'est une cuisine classique, en même temps, je dirais, revisitée sur certaines choses, et surtout, elle est revisitée techniquement. Puisque je suis meilleur ouvrier de France, donc tout ceci explique cela. Alors c'est vrai que là aujourd'hui, ben, on vient d'arriver il y a à peine quelques heures. Donc je vais avec une certaine, je suis impatient de voir demain matin le jour, de voir cette belle ville et de collaborer surtout avec le chef de l'Intercontinental. Ah d'accord, donc dès demain déjà au fourneau. Bah oui, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est venu ici pour représenter la cuisine de notre région. Et pour représenter la cuisine de région, il faut aller quand même au fourneau dès demain matin avec le chef. Mais vous savez, ça va être des moments assez particuliers et en même temps des superbes échanges, puisque de culture aussi, hein, parce que forcément quand on parle de cuisine d'un pays à un autre, il y a forcément de la culture. Et voilà, je suis impatient de collaborer avec le chef. Alors vous allez nous préparer quoi demain? Vous avez une petite idée ou c'est surprise? Non, il n'y a pas de surprise. En fait, je me suis relevé comme défi de faire un pâté en croûte. Un pâté en croûte? Oui. Donc avec toutes les interdictions que votre pays... Pas de lait. Voilà. Donc voilà, j'ai fait une recette, j'ai mis au point une recette. Donc il y aura du pâté en croûte. Il y aura aussi des œufs. Des œufs meurettes, il y aura également un poisson, un bar aux artichauts. Il y aura également, il me semble, une volaille ou un paleron. On va voir dès demain matin ce qui se passe sur les marchés, parce que c'est important aussi de partager sur les produits. Et puis, on va se mettre à l'œuvre, comme on dit. Mais je suis impatient parce que vous ne pouvez pas savoir ce côté enrichissement qu'on peut avoir quand on échange des idées, quand on échange des techniques avec un chef étranger. Des deux côtés, voilà. Il va apprendre de vous, vous allez apprendre de lui. Exactement. Et puis, il n'y a pas de plus fort, de moins fort. On est tous sur le même thème, c'est la cuisine. Et la cuisine, c'est avant tout du partage. Bonsoir. Donc, nous sommes avec son excellence, Monsieur Danon, qui est l'ambassadeur de France en Israël. Bonjour. Donc, nous sommes ici chez lui, à l'ambassade de France à Yafo. Et on aimerait vous poser quelques petites questions. Donc, la première déjà, comment allez-vous? Avec plaisir, mais très bien. Voilà, je suis ravi d'accueillir autant de monde pour cet événement gastronomique. Donc voilà, je suis très content. D'accord. Alors notre première question déjà, comment se passe votre intégration ici depuis quelques mois que vous êtes arrivé? Ah, vraiment exceptionnellement bien, parce que nous avons été, ma famille et moi-même, extrêmement bien accueilli, très chaleureusement par tout le monde dans cette période qui est assez sensible au plan politique, et nous avons pu vraiment établir des relations tout à fait de travail, mais chaleureuses, faciles, parfois amicales avec la plupart des personnes rencontrées. Donc vraiment ça se passe bien. Au niveau des enfants, ils ont aussi été très bien reçus au lycée franco-israélien. Donc
Voilà, Amic V, voilà, ils sont à Rollon et ça se passe vraiment bien, en troisième et en première, ils sont très, très contents. Donc voilà, non, les choses se passent vraiment très bien, il n'y a eu aucun problème. C'est une bonne nouvelle pour nous, alors on est content que vous soyez bien. Oui, vraiment, ça veut dire qu'il n'y a pas de point difficile. Non, vraiment, ça se passe bien. Et bon, puis l'actualité est tellement passionnante qu'en plus sur le fond, c'est-à-dire sur le travail effectué, on ne s'ennuie pas, donc ça c'est quand même formidable. Voilà. D'accord, merci. Une deuxième question. Je voulais savoir un petit peu la gastronomie israélienne. Vous avez commencé un petit peu à vous y faire, à goûter, vous aimez. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ben, moi, je trouve que vraiment, pour bien connaître toute la Méditerranée, on mange extrêmement bien en Israël. Enfin, je veux dire, c'est vraiment à tous les niveaux, en ville et même quand on sort des villes, il y a des restaurants tout à fait exceptionnels. Puis même là, au quotidien, c'est pas seulement les grands restaurants, il y a un quotidien où de plus en plus, je trouve, la gastronomie est mise à l'honneur. Alors, on le voit bien d'ailleurs avec cette semaine de la gastronomie. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de chefs israéliens qui viennent en France pour parfaire leur formation, se former, mais surtout parfaire leur formation, et qu'ils reviennent avec des nouvelles idées pour leur restaurant ici, et parfois aussi, ils ouvrent des restaurants même en France. Oui, j'ai vu. Oui, c'est ça. C'est et donc, ça m'a... Voilà. Et donc, il est en train de se passer depuis quelques années quelque chose entre la France et Israël en matière de gastronomie. Bon, ben moi, je m'en réjouis. Un événement comme ce soir et comme la semaine de la gastronomie, ben, c'est fait aussi pour relancer ça et puis le maintenir au plus haut niveau. Ça resserre les liens, donc c'est bien. C'est bien. Oui, de façon générale, c'est le type d'événement dans toute la coopération franco-israélienne qui touche absolument tous les domaines, celui-là, c'est franchement le plus convivial et le plus sympathique. Hein. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il est très attendu. Et au-delà de la coopération, c'est un événement qui renforce l'image de la France en Israël, mais aussi beaucoup l'image d'Israël en France. Voilà. Donc on ne peut que s'en réjouir des deux côtés, si je puis dire. Donc c'est gagnant-gagnant. Voilà. Alors une dernière question. L'année dernière, on était ici et on fêtait le rapprochement entre la région Provence donc et Israël. Cette année, donc, on a la région donc, de tout ce qui est le Lyonnais et tout ce qu'il y a autour. Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'année prochaine, vous avez une petite idée de ce qu'il devrait y avoir ? Non, pas encore. Mais, une préférence ? Non, parce que alors vraiment, je dois dire, j'aime absolument toutes les régions françaises. Ce qui est étonnant dans un pays comme la France, mais ça c'est la tradition de ce pays, c'est que toutes les régions ont des spécialités intéressantes, marquées. Et elles sont toutes preneuses de venir, donc je suis sûr qu'on trouvera des candidats avec des chefs de qualité extraordinaire. Maintenant, c'est vrai que la région Rhône-Alpes, traditionnellement, et tout le Lyonnais, évidemment, c'est une pépinière de grands chefs étoilés, donc c'est formidable qu'on puisse en avoir 18 cette année ici. Ben, on va profiter d'eux. Absolument. On vous remercie en tout cas pour ce temps. Merci. Et puis au plaisir. Absolument, et je souhaite à tous ceux qui nous écoutent ou nous voient de participer. Donc sortez le soir, inscrivez-vous dans les restaurants, il y a des choses formidables qui vont se passer pendant toute la semaine. Merci. Nous sommes avec Christophe Tulou. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Alors Christophe, toi tu es pâtissier, c'est ça ? Tout à fait, je suis chef pâtissier du restaurant Tête d'Oie à Lyon 5e. D'accord, on m'a dit que tu n'étais pas un simple pâtissier, mais un pâtissier étoilé, c'est ça ? Tout à fait, oui. On a une étoile au guide Michelin. D'accord. Et donc toi, c'est ta première fois ici en Israël ? Oui, oui, oui. Oui, c'est la première fois que je viens ici. Et tu es arrivé quand ? Je suis arrivé tout à l'heure. Là, il y a quoi ? Il y a 2 heures, en début de soirée. Ah d'accord. Donc pour l'instant, tu n'as encore rien vu ? Non, j'ai rien vu du tout de l'Israël. Et tu es là pour une semaine ? Oui, tout à fait. Je repars vendredi. D'accord. Alors du coup, qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Tu es nous présenter un petit peu la pâtisserie française, c'est ça ? Alors je suis venu présenter, oui, effectivement, la pâtisserie française. J'ai des masterclass qui sont prévues. Et je vais collaborer avec une association d'enfants autistes où je vais faire un dessert avec 15 élèves qui sont atteints d'autisme. Et ensuite, on va préparer un cocktail où on va élaborer un buffet de dessert pour une quarantaine de personnes apparemment. Voilà. Donc je vais collaborer avec d'autres chefs pâtissiers et d'autres élèves étudiants qui étudient la pâtisserie ici en Israël. Ça, c'est quelque chose de bien. Ça va être super, ça va être un bon moment de partage. C'est top, quoi. Ah ben, j'imagine, c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire en France, déjà ? Alors, ça m'arrive de faire des masterclass, parce que je fais du consulting aussi, mais pas dans ce cadre-là, quoi.
D'accord. Bon, alors, nouvelle expérience, mais belle expérience. Exactement, oui. D'accord, très bien. Et toi, alors, tu as une spécialité en pâtisserie dont... Alors, en pâtisserie, non, j'ai pas vraiment de spécialité. J'aime bien travailler avec la saisonnalité des produits. On va dire que je suis un grand fanatique et un grand amateur de chocolat noir. J'aime beaucoup la légèreté dans les desserts, donc je travaille beaucoup les fruits. Voilà, je... Mais ça donne déjà envie, tout ça. Oui, c'est déjà pas mal. Enfin... D'accord, en tout cas, bienvenue ici. Merci beaucoup. Et puis, ben, merci en espérant... de nous accueillir, en tout cas. Mais avec grand plaisir, et j'espère que ce ne sera pas la première et dernière année, qu'il y aura d'autres fois. J'espère aussi également revenir. Retour sur la semaine de la gastronomie, nous sommes avec Gilbert. J'ai pas envie de dire son nom parce que Gilbert, on n'en connaît qu'un, ou dans notre cœur, il n'y en a qu'un seul. Bonsoir. Bonjour Johan, bonsoir tout le monde. Ben, c'est important ce qui se passe ici, bien sûr, comme tous les ans maintenant, la semaine So French, So Good. Et moi, je suis ravi d'être là. Pour moi, c'est... je viens d'arriver, j'étais là depuis quelques heures. Et mon ami Eddie Lévy m'a convié ici et nous sommes dans la résidence de monsieur l'ambassadeur et de son épouse que j'ai rencontrée. Et je crois que c'est important, des manifestations comme ça. Il faut souligner l'attrait que la nourriture par les chefs israéliens aussi à travers le monde a fait connaître mieux finalement Israël aussi. Et ça aussi c'est important. Le vrai croisement des cultures, la vraie rencontre, je veux dire, culinaire, c'est important de bien manger. Moi, j'adore bien manger. Ah oui. Donc voilà. En tout cas, alors vous, maintenant, vous passez votre temps un petit peu ici, un petit autant peu en France. Autant que je peux. J'aimerais être encore plus longtemps ici, mais je fais tout ce que je peux. En tout cas, j'adore être là. Et bien sûr, je travaille beaucoup en Europe. C'est pour ça que je ne peux pas toujours être là quand je voudrais. Mais vous voyez que je n'ai pas besoin de l'été ou de la chaleur, du soleil, que j'adore, pour être là, puisque Israël, ça se vit n'importe quand, parce que n'importe quand, c'est bien. Mais la chaleur, c'est vous qui l'avez de toute façon. Alors moi, j'ai une petite question à vous poser. Alors, donc vous venez donc ici, vous avez une petite préférence culinaire dans la cuisine israélienne, quelque chose que vous aimez en particulier? Alors moi, bien sûr, j'aime tout ce qu'on connaît, j'aime tout ce qu'on connaît d'Israël. Je suis très intéressé aux vins israéliens. Ah. Je trouve que les vins israéliens ont fait un progrès spectaculaire depuis quelques années. Et ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, j'ai comme projet, pendant ce séjour-là, d'aller visiter les vignobles à Zircon Yaakov. Oui. Ça m'intéresse beaucoup. Et je trouve ça très, très, très important parce que le vin, c'est le sang de la vigne. C'est aussi tellement séculaire, tellement ancien, comme notre terre d'Israël. Exactement, le vin c'est le lion chez nous. On n'a pas une fête sans faire de kiddush, pas de fête sans utiliser le vin, que ce soit chaque samedi, chaque vendredi soir. Donc, Je crois qu'à ce propos, Johan, il faut souligner à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent que les vins, c'est un royaume qui s'apprend tout le temps. C'est comme la musique, comme l'amour, comme la vie. Donc il faut s'éduquer, parce que souvent dans notre communauté il n'y avait pas vraiment une éducation extraordinaire sur le vin, sincèrement, hein. Il y avait beaucoup de vins qui étaient au départ pas bien du tout. Mais maintenant on a progressé et je vous encourage. Vous savez, moi j'ai une formule: vaut mieux de l'eau qu'un mauvais vin. Mais si le vin est bon, autant en profiter. Yeah. Merci beaucoup en tout cas, Gilbert. Okay. Merci énormément. Okay. Et puis au plaisir de vous revoir. Bye. Au revoir. Là, maintenant, nous sommes avec Yann Lal. Donc Yann Lal qui est un chef donc, de la région Rhône-Alpes. Bonsoir Yann. Bonsoir. Alors bienvenue en Israël. Merci, accueil très chaleureux. Première fois ici ? Première fois en Israël. Bon, ben, bienvenue vraiment une deuxième fois. Ça nous fait plaisir de tous vous recevoir ici. Yes. Tu connais un petit peu notre gastronomie ? Alors la gastronomie non, mais c'est vrai qu'il y a quand même une influence. Moi je parle pour la ville de Lyon, qui est quand même une ville capitale de la gastronomie. On a des restaurants libanais, on a des restaurants syriens et autres, et donc on a un peu cette connaissance de ce type de cuisine. Mais c'est vrai que pour moi ça va être une grande découverte de découvrir justement la gastronomie israélienne.
On sait déjà qu'on a quand même beaucoup de produits importés dans la vallée du Jourdan et autres. Donc on sait que la spécificité et une des qualités pour une bonne cuisine, c'est la production, les produits. Comme nous, la région Rhône-Alpes, c'est ce qui fait notre force, oui, d'avoir énormément de produits, producteurs de différentes régions, de différents types de produits, les produits laitiers, la viande, le poisson et autres. Et c'est vrai, je pense qu'Israël a un peu aussi cette qualité de diversité en termes de produits et ce qui fait une richesse énorme pour la cuisine. C'est vrai. Non, nous, on a beaucoup de produits comme par exemple le sésame. On travaille ça à travers ce qu'on appelle la trina. Ça te parle, ce genre de choses-là? Alors, le sésame, c'est fait partie des graines qu'on commence un peu à travailler dans nos cuisines. Alors, c'était plus pour nous un côté asiatique, le sésame. Mais c'est vrai que nous, on est plutôt avec l'influence libanaise. Étant donné la crème. Voilà, il y a une grosse communauté libanaise. Donc, tout ce qui est le boulgour, tout ce qui est le coriandre, tabulé, le coriandre, la tomate, les houmous avec le pois chiche et autres. C'est quelque chose que tu insères, toi, dans ta cuisine, ça? Alors, nous, on a une cuisine qui est plutôt traditionnelle lyonnaise. Parce que nous, on a plutôt une cuisine de patrimoine, comme je dirais en Israël, une cuisine de maman, une cuisine de partage. Donc, nous, on a une cuisine qui reste quand même assez simple et assez typique. Mais ayant fait de la cuisine gastronomique avant, c'est des produits, et oui, effectivement, qu'on utilisait. On avait beaucoup de produits comme les avocats, les petites tomates, les petits légumes et tout, qui venaient de la vallée du Jourdan. C'est pour ça que je connais un peu quelques produits. D'accord. Alors, donc quoi, nous on est content de vous recevoir. Alors toi, ton restaurant, c'est où à Lyon? Alors nous, on est plein cœur de la ville. Il faut voir que Lyon, ça fait un peu penser comme à Manhattan. On a une presqu'île avec les deux fleuves. On a la Saône et le Rhône. Et mon établissement se trouve en cœur de presqu'île, entre les deux fleuves. On est un peu plus près du Rhône. On a un restaurant qui est centenaire. C'est une institution. Ça s'appelle le Poêlon d'Or depuis plus de 100 ans. Et à la base, à l'époque, c'était un bar à vin où les gens venaient avec leur pot pour ce qu'on appelait être à la tireuse. Étant donné qu'il y avait les caves en dessous et les gens venaient à la tireuse justement pour chercher le vin. À l'entre-deux-guerres, dans les années 20-30, c'est devenu plutôt un restaurant comptoir où les gens venaient pour le vin mais consommaient. Et à l'après-guerre, à la réouverture du restaurant, après la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu une entité bouchon. Donc cette cuisine qui a été faite par les mères lyonnaises qui ont instauré de grands et nombreux chefs comme la mère Brasier, la mère Léa, la mère Vitet. Donc chez nous, on va plutôt découvrir la quenelle de brochet avec la sauce aux écrevisses, le fond d'artichaut foie gras de la mère Brasier. Enfin, on essaye d'avoir cette culture et ce respect du patrimoine culinaire lyonnais, traditionnel. Eh bien, merci en tout cas, Yann. C'était un plaisir. Nous aussi. Et puis, en espérant vous voir plus souvent ici. Bah, écoutez, pourquoi pas. Première expérience, mais pas la dernière. C'est certain. Merci en tout cas. Merci de votre accueil. Et donc maintenant, nous sommes avec le chef Dan Aboulker, le chef de l'ambassade de France. Bonsoir, Dan. Bonsoir. Alors, Dan, on se connaît, donc on va se tutoyer. Oui, 8e édition, exact. Est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à faire ça? Ben oui, toujours autant de plaisir. En plus, les régions en France sont variées. Donc là, on a la chance de recevoir Rhône-Alpes, la région Rhône-Alpes. Et il y a du fromage, on a des lentilles, comme tu as pu le constater. Oui. Donc on s'est amusé à travailler tous ces produits. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec toutes ces régions de France, on a eu la chance d'avoir ces produits. Et là, on s'amuse, on essaye, on expérimente des choses. Et on essaye de les faire découvrir aux Israéliens. Si tu veux, on a fait un petit twist et tu as pu remarquer, il y avait des lentilles. Alors on a fait des falafels aux lentilles. Et c'était très intéressant. On a un peu bégayé au départ. Et après, on est réussi à faire une bonne recette. Ouais, ouais. Et on a fait, on va présenter aux Israéliens un falafel aux lentilles, voilà, pour changer un peu. Toi, cette année, donc, tu vas participer. Quelle va être ta participation dedans? Explique-nous un petit peu. Tu as des masterclass, des duos? Dis-nous tout. Alors, la participation, elle est ici, déjà pour l'ouverture, les 350, évidemment. Et on va recevoir les chefs qui vont arriver, qui ne vont pas tarder. Et bien sûr, il y a demain aussi le tourisme. On va faire un événement tourisme. On va essayer de changer un peu les produits, mais on va travailler aussi un cocktail de 80 personnes. On va avoir une masterclass avec un Christophe Tulou, un étoilé Michelin et un MOF, meilleur ouvrier de France. Ouais. Donc ça va être à Jérusalem et dans le cadre d'une association qui s'appelle Shalva. Donc dans ce cadre-là, on va faire une masterclass pour ces enfants-là, des enfants autistes, des enfants aveugles. Tu vois, c'est un peu du caritatif. Voilà. Et il y avait déjà l'année dernière du caritatif. Dans une prison. Voilà, on avait cuisiné dans une prison, c'était pas évident. Et ensuite, on a une dernière, le dernier événement et le moindre, si tu veux, c'est le dîner gala. Et là, on reçoit certains chefs et les personnes de la région. Et c'est moi qui m'y colle avec un autre chef étoilé qui s'appelle cette fois-ci Florence Perrier. Et on va faire un quatre mains et on va faire un dîner de gala. D'accord. Voilà. D'accord.
Bedan, merci beaucoup de ton temps. Et puis, bah, écoute, avec modération, un lechaïm. Et puis au plaisir encore. Au plaisir de travailler ensemble. Ouais. Magnifique. Merci beaucoup. Lechaïm. Lechaïm. Donc de retour dans la semaine de la gastronomie, nous sommes avec Jean-François Mal, avec William, avec Stéphane et aussi avec Olivier. Tout le monde est lyonnais ici ? Pas moi. Pas toi, tu es d'où toi ? Grenoblois. Ça va, c'est pas si loin non plus. C'est 2 heures, non ? Ouais, c'est très près, mais en même temps, c'est quand même très très loin. Vous ? Alors moi, la question que j'ai à vous poser, c'est qu'est-ce que vous vous êtes dit quand on vous a dit on va en Israël cette année ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Ben, je me suis dit que j'allais découvrir un joli pays que j'avais beaucoup entendu parler et que j'étais vraiment ravi de venir voir le pays. D'accord. Et vous ? Pareil, faire une belle découverte, une belle rencontre. Ben nous, en tout cas, on est content de vous recevoir ici. Donc vous, vous allez travailler, vous allez vous mettre en binôme avec des chefs israéliens, c'est ça ? Vous allez travailler ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous savez sur quel coin vous allez ? Oui, au restaurant Messa. Messa, donc à Tel Aviv. D'accord. Vous aussi, au même... Non, vous allez ailleurs, vous, je suppose. Moi, je vais à Jérusalem avec le chef Shalom Kadosh, qui a priori est un chef renommé dans le pays, donc c'est avec plaisir. Donc vous allez directement dans la ville sainte. Vous partez demain, c'est ça ? Tout à fait. Non, dès ce soir. Ah, dès ce soir. Vous avez prévu une petite visite de la ville ? On verra avec Shalom. Il a du tout organisé, je pense. D'accord. Donc ici, Stéphane. Bon, toi, ici, on te connaît, toi, j'ai l'impression, non ? Un petit peu. Le balagan israélien me manquait, alors je suis revenu. C'est bien. Donc on te connaît à travers tes émissions. On t'a vu déjà ici, ça fait quand même quelques années, non ? Ça fait 10 ans. Et donc on a... On a donc Olivier, donc toi c'est la seconde fois que je suis là. Deuxième fois. D'accord. C'était quand la première fois ? En 2015. À quelle occasion ? Pareil, So French So Good. D'accord. Voilà. Et les invités c'était les toques blanches lyonnaises. D'accord. Donc. On est tous pratiquement en toques blanches lyonnaises. Et ben moi je suis revenu cette année à la demande de l'ambassade. Content d'être là ? Super, heureux. Je vais pouvoir faire visiter votre jolie ville à mon épouse. Et ben magnifique. Mais en tout cas, merci beaucoup messieurs et bienvenue chez nous. Merci. Et nous sommes avec Benjamin Petrovert, qu'on connaît. Bonsoir Benjamin. Bonsoir, comment ça va ? Mais moi ça va bien, et toi ? Alors, il paraît, je me suis laissé entendre dire qu'à cette soirée So French So Food, il y a aussi tes préparations à toi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai commencé ce matin jusqu'à ce soir à cuisiner toute la journée. Ouais. Est-ce qu'on peut les voir ? Est-ce qu'on peut les goûter ? Parce que je pense que les téléspectateurs de notre tandem sont également intéressés. Alors, les goûter, il fallait être là, et les voir, ça va être dur. On n'a pas le droit de filmer la nourriture ce soir. C'est la règle. Bon, alors dis-moi, c'était quoi le menu quand même ? Alors, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu des lentilles vertes du puits avec de la charcuterie, donc un petit peu façon lardon. Oui. Casser. Bien entendu. Il y a eu pas mal d'amuse-bouche. Moi, j'ai fait donc ce qu'on a vu tout à l'heure avec le chef Dan, donc c'est une sorte de rosti, ouais, avec de la raclette. Je ne sais pas si tu les as goûtés. Non, ça, j'ai pas eu l'occasion d'y goûter, mais j'ai goûté les lentilles avec le poisson. C'était pas les tiens, ceux-là. Non, ça, c'était au saumon, voilà. La salade de lentilles, elle était fraîche, celle-là, non ? Très, très bon. Très, très bon. Alors nous, on connaît Benjamin à travers donc la télévision, journaliste sur I24, et aussi pour la musique. Absolument. Mais la question, c'est, est-ce que tu cuisines ? Alors, je cuisine un petit peu, grâce à un magnifique appareil que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Cookéo ou Thermomix ? Le concurrent du Thermomix. Monsieur Cuisine ? Monsieur Cuisine Connect, voilà. Et alors depuis, on a vraiment le droit de le dire, ça a changé ma vie. Ah, c'est vrai ? Ça a vraiment changé ma vie. Je me fais des petites soupes, des petits potages, des petits plats. Ça ravit absolument tout mon entourage. Voilà. Et puis surtout, quand on vit à Tel Aviv, on est entouré de restaurants, de bars, de cafés, où toute la semaine, on nous propose une alimentation extrêmement riche, pas forcément extrêmement saine non plus. Donc c'est vrai qu'aller au Chouk, moi j'adore aller au Chouk Aliyah, qui est pas loin de chez moi, pas au Chouk à Carmel. Le Chouk Aliyah, pour ceux qui connaissent, c'est un autre coin avec d'autres spécialités asiatiques, d'autres origines. Il y a de tout en fait au Chouk Aliyah. Et là-bas, j'ai mes magasins préférés où j'achète mes légumes, mes fruits. C'est un petit peu mon déplacement du vendredi matin. D'accord. Comme ça pour Shabbat, c'est la tradition. Je me fais en général une soupe, une potage. À côté, le schnitzel. Parce que ça, c'est la grande tradition de ma famille. Le vendredi soir, chez nous, c'est schnitzel. Mais je suis content que tu te serves de ça, parce que c'est quelque part, c'est l'avenir, je pense, ce genre de petits robots qui donnent de l'aide, qui donnent des idées, et les gens qui ne sont pas forcément en cuisine vont s'en servir pour progresser. Donc, Alors, moi, ce que j'adore avec ça, c'est que je ne suis pas un grand cuisinier, mais il me permet d'avancer étape par étape. C'est-à-dire que je suis vraiment, moi, un cuisinier basique. Donc, il me dit, mets la tomate.
je mets la tomate. Il me dit, mets le sel, je mets le sel. Il me dit, mets le basilic, je mets le basilic. D'ailleurs, tu remarqueras, et là, alors, je vais interpeller nos téléspectateurs de Tandem, le monsieur Connect nous tutoie. Oui, il nous tutoie. Parce qu'il est en Israël, c'est pour ça. Parce qu'il est israélien, justement, mais c'est la première fois de ma vie que je vois un appareil ou un mode d'emploi qui vous tutoie. C'est vrai que je l'ai remarqué, moi aussi. Mais je me suis dit, parce que comme je l'ai ramené de France en Israël, je me suis dit, il a pris le coup, lui aussi. Voilà, exactement. Lui aussi, il se met en mode chutzpa. Mais c'est vrai que ça permet à tous les novices de se transformer presque en apprenti chef. Moi, j'ai été très étonné de soupe, de potage, de pipa que j'ai réussi à faire, simplement mettant des éléments extrêmement basiques. Quelques tomates, quelques oignons, quelques pommes de terre, des lentilles, et puis il en sort un plat délicieux. Il en sort une sauce absolument délicieuse, avec des arômes, avec des fumées. On se demande comment ils sont apparus, d'ailleurs. Bah écoute, en tout cas, moi je trouve que c'est ça comme mode de cuisine. Tu es en train de nous parler de légumes et de choses, donc ça doit changer un petit peu des falafels et de tout ce qu'on mange dans la rue, la street food, la junk food, donc bien. On essaye de faire bien, on essaye de faire bien. Et d'ailleurs, puisque là, on parle de la So French So Food, je trouve que c'est une occasion unique ce soir et pendant toute cette semaine de marier justement les avantages des deux cuisines. Moi, je me souviens, il y a deux ans, il y a une rencontre entre chefs, il y a deux ans, qui avait été organisée, où un chef français et un chef israélien se sont rencontrés. Et de leur rencontre est né un bœuf bourguignon au houmous. Oula. Je peux vous dire que le goût était très particulier. Ah voilà, c'est ce que j'allais me dire. Mais en tout cas, c'est beau, c'est intéressant, et c'est de là que crée aujourd'hui et qu'apparaît aujourd'hui la cuisine moderne. Eh bien, en tout cas, merci. Merci pour cette petite interview. Avec plaisir. Et puis, au plaisir de te voir à la télévision. Rendez-vous tous les dimanches et tous les lundis sur Etienne Difordis. Et en musique. Et en musique toujours. Merci Benjamin. Nous sommes maintenant avec Shalom Kadosh, qui est un des plus grands chefs, si ce n'est le plus grand chef israélien, qui est à Jérusalem. Erev Tov. Erev Tov. Naim Meod. Gamli. Az ata oved beYerushalayim, nakhon? Ani oved beYerushalayim, Leonardo Plaza beYerushalayim. Donc il travaille à Jérusalem au Leonardo Plaza. Mikama zman? Oua, 43 shanim. 43 ans donc là-bas au service. Donc du coup il prend beaucoup de plaisir, donc du coup c'est tout, il continue parce que voilà, c'est un plaisir. Ata dibarti im chef shiwa marli shehu oler la'avod itra ou meod sameach. Donc il va travailler avec un chef. Yesh lecha rayon al ma atem holchim la'asot? Anachnu dibarnu v'sikamnu al tafrit, tafrit meod yafeh ma'anyen. Alors, il pense que celui qui viendra, il va profiter parce que, du repas, parce que justement, ils ont préparé un bon repas. Et je vais lui demander, donc justement, qu'est-ce qu'il a prévu. Azma, ma yeten tenu kama remez. Remez, efshar leagid she yesh lanu ba mana rishona tatake shel tuna im tapioca ve limon yarok. Yesh ravioli zafran im shoma. יש דג בר עם צטניה של מנגו, מעולה, ויש גם עגל. גם מה? עגל, בשר. אוקיי, כן, כן. כן, כן. כמה דברים, כמה מנות? יש שש מנות. Donc il va y avoir six plats, il va y avoir du tataki de thon, il va y avoir des plats avec du veau, il va y avoir quand même pas mal de bonnes choses à manger, et ça donne envie, ça donne envie. Je voulais juste rajouter une chose, c'est que Shalom, c'est le chef le plus gentil de tout Israël, de tous les chefs que j'ai rencontrés. C'est le chef qui a le plus de bonté, de gentillesse, de douceur. C'est le chef extraordinaire, extraordinaire. Donc il représente tout le peuple israélien. Tu es le roi de la Keila d'Israël. Il est aussi dans l'hôtel. Donc tu le connais depuis longtemps, toi? Ça fait 25 ans qu'on se connaît. Ah oui, donc d'accord. Donc vraiment, c'est une longue amitié. C'est une longue, longue amitié. Ah ben, c'est beau, en tout cas, Ouamar Dvarim. Tous les chefs de cuisiniers, chef cuisinier, c'est le plus extraordinaire de tous ceux que j'ai rencontrés. Waouh, c'est comme on dirait, mettre sa petite déclaration d'amour. C'est Yotse Mialev. C'est Yotse Mialev. C'est Yotse Nechmad. Il dit aussi que toi aussi, tu es vraiment agréable. Merci. Astoda Rabba, Shalom, de Saint-Marty Lakir. Toda. Au revoir. Et voilà, cette soirée touche à sa fin. Nous avons pris beaucoup de plaisir à faire cette émission. Nous avons rencontré beaucoup de personnes adorables, des chefs, l'ambassadeur. Et nous vous invitons sincèrement à vous déplacer, que ce soit ici à Tel Aviv ou alors Jérusalem et dans toutes les villes qui sont partenaires de l'événement.
profiter, vous pouvez aller voir les masterclass pour apprendre pas mal de bonnes choses. Vous pouvez aussi essayer d'aller dans les restaurants qui sont partenaires pour goûter les plats. On a vu tout à l'heure avec le chef Kadosh qui a 6 plats en préparation. Donc on espère que ça vous a donné envie de cuisiner, envie de manger aussi et surtout de participer à cette belle fête que la semaine de la gastronomie. On est ici donc à Yafo et on vous souhaite une excellente soirée et on vous remercie de votre fidélité. À bientôt.